même si tu n'as pas l'option, tu t'es bien habillé. On regarde la vie, on dit cet homme-là. Il a la chose. Hey, on dit je veux l'option. Je veux l'option. Alléluia. L'homme qui va venir devant toi, avant de voir ton esprit, il voit d'abord la personne qui est en face. Amen. Physique. Bien-aimé, il y a des personnes qui regardent les enfants de Dieu et ils disent, ils sont tellement beaux que je veux découvrir leur Dieu. Amen. David était beau. Saül, un bel homme. L'onction royale, quand ça vient sur ta tête, c'est que tu es beau. Amen. Je dis, c'est que tu es belle. Amen. Je dis, Amen. Tu es beau. Amen. Tu es belle. Amen. Mais vous croyez que Dieu se trompe? Non. Pour chercher des millions de personnes en France, en Asie, et il vient descendre sur ta tête, c'est que tu es beau. Amen. Quand Dieu veut agir dans la vie d'une femme, Amen. Dans la vie d'un homme, il utilise même ton apparence pour se glorifier. Amen. La qualité de l'esprit dans la vie d'une femme se manifeste par rapport à son état spirituel qui est en concordance avec son physique. Oh! Si tu sais que Dieu a quelque chose à accomplir sur ta vie, tu ne vas plus jouer avec ton physique. Quand une fille est belle, les gens ont l'habitude de dire c'est une sirène des eaux. Alléluia! Amen. Tout simplement parce qu'elle est belle. Et le fait maintenant de tuer l'esprit de nos soeurs, elles cherchent maintenant à devenir belles. Quand les hommes les draguent, c'est facile. Quand un homme te dit, ma soeur, tu es belle, on lui dit, Jésus t'aime. Parce que Dieu a utilisé ta beauté pour l'attirer. Alléluia! Amen. Dis, l'onction est relié à nos organes. Amen. La vision à l'œil. L'entendement à l'oreille. La déclaration à la bouche. Amen. Et le discernement au nez. Amen. La guérison dans la main. Amen. Toute personne à qui vous imposerez. Qu'est-ce qu'il a dit, les pieds? Non. Il dit les hein? Mais là, il dit, si vous marchez, vous avez le pouvoir de marcher. Amen. Sur les yeux d'un. C'est pas aidé. Scorpion, à partir d'aujourd'hui, vois-toi belle, vois-toi glorieux, vois-toi puissant. Change ton image. 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 Alléluia. Oh, la voyance et la vision. Oh, tous les matins, je regarde le miroir, je dis, Seigneur, je te remercie de m'avoir créé beau. Amen. C'est la plus belle créature de Dieu que tu es. Amen. Bien aimé, le péché le plus grave, c'est négliger sa personne. C'est se négliger. La Bible dit, il compta les étoiles, il les nomma. Vous êtes toutes et tous ici, des étoiles. Amen. Et ton étoile doit briller. Amen. Ton étoile doit fonctionner. Amen. Ton étoile doit marcher. Amen. Oh yes. Un royaume où il n'y a que du diamant. Et tout le monde est glorieux. Tout le monde a quelque chose de fort. Tout le monde a quelque chose de puissant. Je vais toucher un thème. Avant que nous attaquions la troisième saison. Parce que dans la troisième saison, l'onction qui va descendre sur toi, même Emmanuel Macron aura peur de toi. Hey, 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 hey.
Alléluia. Amen. Oh, bien aimé. Le lundi après-demain, je pars à Abidjan, Côte d'Ivoire. Amen. Pour une tournée nationale. Mais, quand on m'a annoncé que toi, tu ne vas pas passer comme les autres, mais tu vas passer sur le chemin diplomatique. Amen. On ne fait pas tes bagages. Amen. Sur le chemin des ambassadeurs, amen, des ministres. Amen. Il dit, oh Dieu, tu sais qui je suis. Amen. J'aime chez Jésus. Tu sais qui je suis. Amen. Tu descends de l'aéroport comme un président. Et les gens vont. Tu sais pas que c'est mon micro là, hein, mon Jésus. Tu vas croire que c'est un ministre qui est en train de passer. Mais c'est un ministre de l'éternel. Je dis, prends-toi au sérieux parce que Dieu te prend au sérieux. Donc j'aime Jésus. Parce que Jésus savait qui il était. La Bible dit, quand les esprits mauvais le voyaient, tellement Jésus savait qui il était, les esprits mauvais commençaient à sortir des corps. Qui a-t-il le Fils de Dieu entre toi et nous? Es-tu venu nous juger avant le temps? Vous lisez la Bible, mais vous lisez la Bible mal. On dit, le lion, il rencontra David. Et le lion prit la fuite. Dans le nom de la création, un lion peut tuer un homme. Mais le lion arrive et le lion voit David, il n'attaque pas, il prend la fuite. Vous savez pourquoi? Dans la loi de la victoire, c'est un adversaire plus fort qui te gagne. Donc le champion des champions est champion. Donc quand le lion s'est approché de David, il venait sur David et sur la brebis, mais quand il a regardé à David, il a vu un autre lion. Il arrive, il regarde David, il voit un autre lion qui est au-dessus de lui. Un lion qui a des crinières, qui a en même temps des ailes. Alors le lion commence à courir. Bien aimé, quand un esprit mauvais s'approche de toi, il ne peut pas te toucher parce que le lion de la tribu de Juda est à toi. De vous dire que dans le monde spirituel, c'est la guerre de la vision. Amen. Le lion voit un autre lion qui est plus fort que lui, il prend la fuite. Amen. Quand vous savez qui vous êtes, je vous assure que le monde va vous respecter. Amen. Quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez même pas besoin d'imposer la main à quelqu'un. Automatiquement, comme vous savez qui vous êtes connecté au ciel. Quand vous tendez la main ou vous parlez, cela s'accomplit. Amen. Parce que je sais qui je suis. Amen. I know who I am. Amen. Amen. C'est ça? Amen. Ce que les anglophones disent, non? C'est pourquoi je suis en train de vous dire que ta bénédiction, ce n'est pas demain. Quel aujourd'hui? C'est maintenant. Oh, bien aimé. Dieu
J'ai quitté Paris, je suis venu, j'ai pris métro, métra, tram, tout. Je suis venu m'asseoir ici. Si tu ne me vois pas, il ne faut pas voir quelqu'un d'autre. Amen. Dis avec moi Dieu. Dieu. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Vois ma situation. Mon cas seulement. Amen. Mon frère, je dis, ne bénis pas celui qui est à côté de moi. Bénis-moi. 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 Parce que si tu dis ne bénis pas celui qui est à côté de moi, lui aussi va dire ne bénis pas celui qui est à côté de moi. Tout le monde sera béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu pour toi-même. C'est ça. Amen. Alors tu vas retourner avec quelque chose de fort. Amen. Bien-aimé. Il passa, il vit Matthieu, le collecteur d'impôts. Il dit Matthieu, suis-moi. Oh, dans le suis-moi, il y avait la conversion, il y avait la transformation, il y avait la bénédiction, il y avait la vie. Oh, il a dit à Osée, celle qui n'était pas aimée, je l'appellerai ma bien-aimée. Je ferai asseoir la prostituée à la table des rois. Jésus-Christ, quand il passe dans ta vie, la pauvreté s'enfuit par la fenêtre. Quand tu passes dans ta vie, les démons disparaissent. Amen. Quand tu passes dans ta vie, alléluia. C'est l'homme qui dépresse la dépression. Il compresse la compression. Il décourage le découragement. C'est lui qui a tué la mort. Amen. Il accidente même l'accident. Amen. Ils n'ont pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Montagne. Tu te déplaceras. L'onction est en train de descendre. Alléluia. Il dit montagne. Tu te déplaceras. Mais si tu vois la montagne qui se déplace et qui va de l'autre côté de la mer, selon ta vision, ce qui va arriver. Amen. Le problème n'est pas grand. Le problème reste dans ce style-là, s'il te plaît. La situation n'est pas compliquée. Les sorciers ne sont pas forts. Vous savez pourquoi? Parce que dans la loi du ciel, avant qu'il n'y ait problème, il y a déjà solution. Amen. Oh, la situation que tu crois. Je dis, la situation que tu crois qu'a été détruite, compliquée. La solution est déjà là. Amen. Si c'était autant de Lazare qui sont au cimetière, Jésus qui arrive. Il dit, n'enterrez pas le mort. Je vais le faire lever. Ici, là, ils ont tellement des Français bizarres. Qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? Est-ce qu'il est normal? Depuis quand un mort se ressuscite? Il a des problèmes, cet homme-là, arrêtez-le. C'est dans ce pays-là, moi, j'ai vu. Hein. On attrape des gens, on les envoie dans l'asile de fous, on dit, ils sont fous. Ils sont normaux. On accuse des gens injustement. Mais Dieu va se justifier ce soir dans ta vie. Dieu va te justifier. La justification. Dieu va te justifier dans ta famille. Il va te justifier dans ta maison. Il va te justifier dans ta situation. Il va te justifier. Oh! Amenez-moi un sac. Quelqu'un qui va vous dire, dépêchez-vous, un sachet, place-toi là, s'il te plaît, fais-moi voir, sors par sa bouche, esprit humain, maintenant je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors, remonte vite, et sors par sa bouche, au nom de Jésus. Tu es à terre, 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 tu es à terre.
Jésus, remonte. Allez, vite. Vite. Esprit de folie. Tu sors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Il est à la gorge maintenant, au niveau de la gorge. Il est en train de monter. Allez, libère-la, vite. Vite, 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 vite. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, sors par sa bouche. Tu la libères et ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car aujourd'hui, c'est sa libération, c'est sa délivrance totale. Ne reviens plus jamais. Sors. Vite. Sors par sa bouche. Vite. Dépêche-toi. Allez, libérez-la. Vite. 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 Il y a des gens ici qui vont sentir des choses qui remontent de leur gorge. Parce que Dieu veut délivrer des personnes. Allez, vite, vite, vite. Voilà. Voilà. Voilà, libère cette femme. Allez. Allez, libère sa gorge, vite. Dépêche-toi. Mets-la de côté, là. L'esprit est en train de faire son travail. Mets le sac et ne bouge pas. Alléluia. Aide-la. Ne vous inquiétez pas. Quelque chose est en train de se passer. Je sens une atmosphère de délivrance. Envoyez le deuxième sac. Viens me voir bien. Vends-lui le sac aussi. Attends le sac. Au nom puissant de Jésus, tu la libères. Sors par sa bouche, vite! Mort, allez! Va-t'en! Dépêche-toi! Allez! Sors! Vite! Remonte! Remonte vite, 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 vite! Allez, sors! 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 Au nom de Jésus!